Johnson, vous avez l'affiche des deux présentement. Alors, Johnson, évidemment, plus âgé, 30 ans contre 23 seulement pour Bouté. Dans la taille, c'est la même chose. Le poids, ça se ressemble pas mal. Et au niveau de la portée, c'est exactement la même chose. Dans le cas de Johnson, ce que l'on sait, c'est qu'il montre une fiche de 2 victoires, 2 défaites. Très bon, beau futur. Il présente ce combat de 4 rounds dans la catégorie des poids super moyen. Budweiser and the Montreal Casino bring you 4 rounds of action in the super middleweight division. Les juges pour ce combat, judging this bout at ringside, M. Richard de Cabufel, M. Jean Lapointe et M. Pasquale Procopio. L'arbitre, the referee for this bout, Mr. Jerry Bolin. D'abord dans le coin bleu, portant la culotte Bourgogne et blanche et pesant 170,9 livres. First in the blue corner, wearing burgundy trunks with white trim and weighing in at 170.9 pounds. Avec une fiche professionnelle de 2 victoires, les deux par KO et aucune nulle en 4 combats. In 4 professional bouts, he has scored 2 wins, both by knockout and no draws. De Louisville au Kentucky, ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, please welcome Taron Cooley-Johnson. Dans le coin rouge, portant la culotte noire et blanche et pesant 171,5 livres. Across the ring, fighting out of the red corner, wearing black trunks with white trim and weighing in at 171.5 pounds. He has won his only other professional bout by knockout. Il a remporté son seul autre combat professionnel par KO. Mesdames, Messieurs, le champion des Jeux de la Francophonie en 2001. Ladies and gentlemen, the 2001 Francophone Games champion de Montréal. From Montreal, Lucien Le Tombeur-Bouté. You can stretch it in the dressing room, obey commands at all times, touch up, good luck. Let's go. Heavy round. Lucien Bouté et Taron Johnson. Je suis curieux de voir comment Bouté va se comporter à son deuxième combat. Surveillez bien la technique. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, Lucien Bouté, pour un gars qui en est à ses débuts professionnels, parce que seulement son deuxième combat, c'est très impressionnant. On voit qu'il y a beaucoup de boxe. Boxe en lui, fait plusieurs combats amateurs, sûrement près de 200. Je trouve qu'il y a une question d'âge, seulement 23 ans. Il est très jeune, donc... comme Bernard Barrel l'a déjà dit, Interbox a fait vraiment une bonne main gauche. Et Taron Johnson qui l'a bien accepté. Et voici une autre. Et ensuite la crochette droite. Bel enchaînement de coups ici de Lucien Bouté. Ça se fait rapidement. Quand Johnson essaie d'attaquer, Bouté va à sa gauche, fait un petit pas à sa gauche et revient avec une gauche. Dire que Johnson était invité un petit peu parce que tu as mis les mains basses. Mais là, il commence à monter un petit peu. Il faut qu'il a monté les mains, Bouté l'attaque au corps. Il est vite, le gars. Il voit tout ce qui se passe. C'est très difficile à boxer. Ouais. Un boxeur dur à toucher et qui contre-attaque tout le temps, toujours prêt à frapper son adversaire. Toujours en équilibre. Honnêtement, il est impressionnant de la façon dont sa technique est présente. Oh, au corps, bien joué. Ça coupe le choc. J'ai vraiment l'impression que ça vient trop vite pour Johnson. Oh là là. Oh, Johnson qui est en mesure de continuer, mais attention, il est abonné pas mal. Oh, il semblait vouloir attaquer au début, et présentement, il est vraiment sur la défensive, mais c'est plus trop quoi faire. Ça semble aller de tous les côtés. Attention. Il a fait un bel ajustement pour la boxe professionnelle. Oh, encore, même encore, et en tête maintenant. La même combinaison. Oui. Et encore, un autre. À la tête, ça vient de partout. Ça vient vraiment de partout. Des coups au corps comme ça, ça fait excessivement mal. Oh. Et Taron Johnson, croyez-moi, il y en a 15. Là, là, pour toi, tu veux... Oh, la gauche maintenant, bon, je vais la tête. Est-ce qu'on va lui donner un compte de 8 là-dessus? Oui, on lui donne un compte de 8. Je pense que Johnson, il
Il s'attendait, lui, à ce qu'on dise s'il avait été le meilleur. Honnêtement, il semble avoir été frappé. Il est mieux de le prendre. Oui, t'as bien raison. Ça vient tous les bons, tous les côtés. Ouais, honnêtement, ouais. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un boxeur dominer aussi bien et avec des coups aussi précis que ça. Ouais. Tout est là. Oh, quel uppercut! Quel uppercut! C'est la fin. Troisième shot. C'est la fin du match. Ouais, un uppercut de la droite. A tourné son corps un petit peu vers sa droite en vue l'uppercut. Et Johnson n'a absolument pas vu venir. C'est une chose, Jean-François. Je sais qu'il y a des gens qui vont regarder ça et vont dire « Ouais, mais il n'était pas tellement fort celui qui a affronté Bouté. Hey, » voyez-moi là, je pense qu'il avait pu battre beaucoup, beaucoup, beaucoup de boxeurs ce soir. C'est une performance absolument étincelante. Juste à voir la façon qu'il était placé et l'enchaînement de ses coups, c'est toute une performance de Lucien Bouté. Oui, Lucien Bouté va devenir une future vedette. C'est une future vedette en boxe à Montréal. Énormément de talent. Et comme tu dis, Johnson a essayé. Ah oui, il a essayé au début. Oui. On peut le voir par son physique. C'est un gars qui est en bonne condition physique. Wow, justement, ouais. Le coup au rein et ensuite la gauche au visage. Genre de mi-uppercut crochet, la gauche au corps après, à la figure. Au corps maintenant, en plein milieu de l'abdomen. Il a peut-être été poussé un petit peu, mais il était mieux de prendre le compte de 8. Je pense que le coup au corps le faiblit. Il a fait un bel uppercut ici. Quel bel uppercut! Et c'est un coup qu'on ne voit pas nécessairement souvent. Non, effectivement. Là, à merveille. Mais dans le fond, là, c'est ça que je voulais dire. T'sais, on a vu l'uppercut parfait, les crochets parfaits, la direct de la gauche parfait. Tous les coups de Bouté ce soir étaient parfaits. Ouais. Je serais curieux de qu'on ait les statistiques, son pourcentage d'efficacité. D'après moi, il n'a pas passé dans le vide très souvent. J'ai l'impression que c'est au-delà du 80% et quand même assez exceptionnel. Et peut-être même près du 90%. Bouté, plus je suis certain, plus on va le voir, plus les adversaires vont être meilleurs, meilleur il va paraître. Plus de 50 secondes du premier round. Winner of this bout, as referee Terry Bowen stops it. At 2 minutes 50 seconds of the first round, winner by TKO, Lucien Le Thomas Bouté. Alors voilà, c'est confirmé.